Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée de LEC, une ultime journée de LEC, mais pour la saison régulière bien sûr, parce qu'on attaquera les playoffs dans les semaines qui arrivent. Les équipes bien sûr se présentent au studio, il y a beaucoup d'enjeux pour cette dernière semaine. 3 des 10 équipes de la Ligue ne connaissent pas encore leur destin au niveau des playoffs, tout va se jouer aujourd'hui, bien entendu, et voilà, donc on va discuter de tout ça. On a d'autres discussions qui arrivent. Aujourd'hui sera un pré-show axé sur la discussion. On va parler un peu des Worlds aussi, on va se projeter un peu, puisque voilà, pour moi, c'est pas le sujet pour une grande partie de l'année, mais là, on arrive en fin de saison régulière, les playoffs se dessinent pour toutes les ligues, donc ça va être le moment d'en parler, Twixou. Tu essaies de nous vendre du rêve, tu essaies de faire de la pub pour les Worlds qui seront sur OTP aussi, mais c'est un... Oh, le leak. Quel incroyable leak. Bro, comment... Mais... Ça va bien, Chipsou? Joyeux anniversaire. Ah, merci, mon bro. 33 ans, toujours plus proche de 30 que de 40, c'est fine. C'est fine, on essaye de contenir fine, l'incendie, vraiment. Non, mais écoute, joyeux anniversaire à toi, j'espère qu'on aura beaucoup de tie-break pour célébrer tout ça. J'ai hâte. Et merci bien sûr au chat qui me souhaite mon anniversaire. On me dit, je ne vois pas vos messages, mais je les imagine très bien et je vous remercie. Voilà, je me sens plus beau et plus frais chaque année. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces 33 ans. Zéro, tu étais en mission aujourd'hui avec Shingin. Ça a été le casse à 8h du matin. Ouais, 8h du matin, levé 6h. Mais voilà, le dernier BO, c'était en 2-0, rapide. On a bien mangé. Siesta, du coup. On a bien dormi. Réveil il y a un quart d'heure en légende. Et on est prêt pour cette soirée. Ok, bah écoute, très bien. On a hâte de voir ce qui va se passer. De toute façon, vous le savez, journée un peu spéciale. On pourrait avoir des playoffs en fin de journée. Ça dépendra des scénarios, des résultats des matchs, bien entendu. Retour en images sur ce qui s'est passé hier dans le LEC, parce que ça a été une journée mouvementée. Beaucoup de choses se sont décantées. Donc, on a commencé par un BDS contre Rogue et victoire surprise des BDS. Victoire surprise, absolument. Une draft qui ne nous a pas fait hurler. Elle était plutôt bien amenée même. Et on a eu des Rocks qui, de manière assez surprenante, ont plutôt été dominants en laning phase, notamment sur le bot side avec la Kalista de comp que vous voyez ici. Hein. C'était tout beau, tout pimpant. Mais une fois arrivé en phase de fight, franchement, la composition BDS et son exécution aussi a fait la différence. Même le Taric un petit peu surprise de Trimby, qui semblait assez bien adapté avec le swain de Nuclear, n'a pas du tout pu donner assez d'espace à comp en réalité. L'ADC des Rogues a totalement disparu une fois le Lingfest terminé. Belle victoire de BDS. Belle victoire de BDS, donc, qui tente d'accrocher des points avant la fin de la saison. Le Excel contre SK, match très tendu. SK éliminé au bout du compte, Zéro. Ouais, c'était tendu tout le long. Jésus a fait une superbe game. Sa mort a juste lieu où il s'est fait dive fontaine, mais sinon il était en 10-0. Il était le teneur des dégâts de son équipe. Mais voilà, vous le voyez, 47 minutes de jeu. On a eu des Elders, on a eu des Barons Nashor. Et à la fin, c'est SK qui tombe. Excel qui garde sa maigre chance d'atteindre les playoffs grâce à cette victoire. Ouais, c'était un match qui tout double. Le perdant était éliminé de la course aux playoffs. C'est tombé sur les SK, bien sûr. On les remercie pour ce miracle run qui nous aura fait particulièrement vibrer. Mad Astralis, un match également qui pouvait être éliminatoire pour les Astralis. Bon, les Mad Lions qui l'emportent tout de suite. Oui, tout à fait, mais les Astralis... Bien, les Astralis, malheureusement, leur destin s'est scellé un petit peu plus tard dans la journée. Mais ce match-là, eh bien, il leur est passé à côté. Ça me fait un peu penser au match d'intro Rogue BDS, puisque encore une fois, en ce qui concerne les Lingfest, les Astralis ont plutôt été dominants avec l'élément surprise Visit Chatty sur le top side, qui avait vraiment pris Armut en tenaille. Mais encore une fois qu'on s'est regroupé et qu'Unforgiven a fait l'acquisition de sa salutation de Dominique, eh bien, tant qu'il restait collé à Kaiser, c'était une véritable mitraillette. Et on va retrouver un petit peu cette situation dans d'autres matchs tout de suite. Ah, les Astralis ont reçu les saluts appuyés de Dominique dans ce match. Le Fnatic Vitality, vous croyez avoir eu un banger avec SK contre Excel. Il y en avait un autre qui se cachait dans cette journée, Zéro. Ouais, le... Fnatic contre Vita, ça allait loin, mais au bout d'un moment, c'était le domaine de Zeri et même une Senna à la fin n'a rien pu faire. On a eu un upset qui a battu le record de DPM. 1800, il a battu le fameux Ezreal mid que XPP avait fait à l'époque.
c'était tout bonnement incroyable. Upset a fait une game de fou et là on voit que même une Senna avec 200 âmes ne peut pas rentrer en compétition avec une Zeri. Il y a des moments où elle a essayé d'avancer, mettre une auto-attaque, mais elle en met une Zeri, elle en met 10. Ouais, ouais. Bam, adieu. Et ouais, la mitraillette d'Upset a été trop forte. Hein, ce match qui a la performance d'Upset qui a généré beaucoup de réactions, bien sûr. Et on terminait par le Mystique G2, une bataille pour la première place de la saison régulière. Twix et les G2 ont été intraitables. Ouais, pas de bataille dans ce match. Vous pouvez voir aussi une draft un petit peu signature des G2 puisque on est un petit peu habitué aux échanges entre les autres équipes, mais les G2 vont vraiment une étape plus loin. Il y a un Yone qui peut sortir dans de l'anti-tank, là où on pense que la top lane est complètement verrouillée, et il y a également une H support qui peut sortir face à une Renata qui est très souvent ban en blue side dans les autres rencontres. Cette marche qu'ils ont d'avance par rapport aux autres équipes bien leur ont donné une victoire tout à fait convaincante, ainsi que la qualification au championnat du monde. C'est la première équipe, elle est européenne, nous sommes fiers. Bravo, j'allais dire Cocorico, mais bon, c'est... je sais pas comment on dit Cocorico en européen. Et voilà, les G2, effectivement, au top de la ligue actuellement avec les Mad Lions, Rogue, Misfits, toujours en chasse également, Vitality, Fnatic, Excel, à la recherche de la qualification pour les playoffs, tout va se jouer aujourd'hui. Bien sûr, Astralis, SK Gaming et BDS, out. Voilà, et bien sûr, tu l'as dit, Twixou, mais G2. Première équipe du monde aux Worlds. Et j'ai envie de dire, vu les autres équipes aux Worlds actuellement, ils semblent être grands favoris. Belle analyse, très belle analyse. Ils sont même... Merci. Je pense que si les Worlds commençaient maintenant, ils ont... Tu penses qu'ils les gagnent? Je pense avec leur forme du moment, ils les gagnent là, les non, Worlds, non, là 4, maintenant 80%. En vrai, ils se prennent encore 0-3 en finale. Contre eux-mêmes. Ils trouveraient un moyen. Je te jure, ils trouveraient un moyen. Donc voilà, j'ai deux qualifiés pour les Worlds. Hein. Félicitations, eux qui les avaient loupés l'année dernière. Faut s'en souvenir quand même. Ils les avaient loupés l'année dernière, c'était la première fois depuis 2016. Mais ils sont de retour aux affaires, les G2. Ils sont de retour et en vrai, tu l'as dit juste avant, à la draft qu'ils ont sorti contre Misfit, on voit tout de même qu'ils sont déjà préparés pour les BO5 avec une champion pool assez vaste. Donc qu'ils soient déjà qualifiés aux Worlds. On va dire qu'on a peu de doutes sur le fait que les G2 vont faire de bons playoffs. Donc on sera tout de même sur une équipe qui va assurer en BO5 et pas uniquement en BO1. Ouais, totalement. Ça a toujours été une des grandes forces des G2 d'avoir des gros champs. On sait que leurs joueurs sont connus pour ça. Du coup, il y a eu des réactions forcément hier après la victoire des G2 et leur qualification aux Worlds. Au slot, voilà, good night to everyone that qualified to Worlds across the totality of Mother Earth and the universe in full, c'est-à-dire personne. C'est-à-dire personne, voilà, toujours très taquin. Petit tweet de Flaguette qui m'a beaucoup fait rire. Qualify for Wars, le sourire. NA solo queue. Va falloir tryhard. Va falloir rester focus. Déjà que la solo queue européenne, ça attaque son mental. Quand il va taper NA solo queue avec les OTP qu'il y a là-haut et à 60 de ping. Bonne chance. Tranquille, il va pouvoir jouer en Champions Queue et du monde. derrière, alors, autre tweet, bien sûr. Yankos, il le disait, on a sué pour faire les playoffs et on fait les Worlds 3 semaines après. Voilà, forcément, extrêmement content. Targamas qui, de son côté, sobre, efficace, first in to qualify for Worlds. Bah, il était nice. En queue sur Valorant, donc il n'avait pas trop le temps. La queue a pop, du coup, il a été obligé d'envoyer le tweet tel quel. On comprend. Parmi les déçus d'hier, il y a eu, bien sûr, les SK Gaming et Genax, le top player de l'équipe, qui nous avait sorti un... C'était 7, donc on est en dehors des playoffs, mais il n'a pas réussi à transférer son lead dans le reste de la game. C'était un match un peu chaotique pour les SK Gaming, qui ont beaucoup tenté, beaucoup essayé, mais voilà, sans succès. Au final, avec DXL qui avait verrouillé la game avec une très bonne draft de late game, Sivir, Azir. Il ne faut pas s'en vouloir, effectivement. Il faut être très très bon pour conclure un match contre les assurances de scaling que nous avons actuellement sur ce patch. Et Tritz qui réagissait à la game entre Vitality et Fnatic avec l'énorme performance de Upset et qui sobrement disait bon, remove Zeri. Ça, c'est le champion. Il n'y a pas beaucoup de champions qui font ça. Zeri en fait partie. Il y a d'autres combats avant. Il y a Yumi à enlever avant. Et en vrai, la perf d'Upset, elle est aussi... Enfin, elle était énorme. Qu'est-ce que Senna fait ici pour affronter Zeri? On peut se poser la question. Et Niski également qui réagissait. Après la victoire d'hier, un comeback un peu des enfers.
du côté des Mad Lions, lui qui s'est voilà qui s'amusait avec les ultibards dans sa game, le bar de Jongun, voilà. Grosse game de sa part. Très grosse game avec son Sylas. Il est très très bon sur le Sylas, on le sait. Du coup voilà, ça c'est la session. Pardon, Bichente. Pardon. Ah, week 8, my bad. Ok, du coup, oui, alors, petite étape, petit aperçu de la situation, parce qu'on disait que cette situation pour les playoffs était assez exceptionnelle pour une dernière semaine. Eh bien, en chiffres, messieurs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on constate que, voilà, combien d'équipes valident leur place en playoffs avant la dernière semaine? Eh bien, on constate que pour ce Summer Split 2022, ça a été le plus petit montant depuis 2019, le Spring, tout simplement. Donc, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas eu aussi peu d'équipes qualifiées pour les playoffs pour avant la dernière semaine. Et ça montre le caractère très exceptionnel de ce split, à quel point il était tendu, et même pour cette dernière journée, finalement. Absolument, c'est plutôt curieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait à remonter aussi loin. Mais Spring 2019, et à chaque fois, tu as 4, 6, parfois 6 équipes okay, avant 2019, la dernière semaine. On voit 4 à Spring 2019, mais ouais. J'imagine que ça doit être un petit peu... Parce que là, on voit que 1 en Summer 2022. Ouais, c'est ça. Ah ouais ? J'avais pas compris la 7, du coup. Bah en fait, au Summer... J'essaie de comprendre le jeu. En fait, au Summer 2022, avant la dernière semaine, tu n'avais qu'une équipe qualifiée. D'accord. Au play-off. Et au Spring 2019, il y en avait 4. T'en avais 4, et même au Spring 2020, t'en avais 6. Donc en fait, la dernière semaine au Spring 2020, par exemple, comptait pas pour les play-offs, tu vois. Ok, d'accord. C'est juste pour... Donc ça fait encore plus longtemps que Spring 2019, en réalité. On a juste pris jusqu'au Spring 2019. Ouais. On n'est pas allé plus loin. D'accord, mais c'est juste pour souligner le caractère exceptionnel de ce split. Une année exceptionnelle où on n'a pas de leader, finalement, sur la saison. Donc j'imagine que c'est la conséquence principale. C'est ça. Donc voilà, semaine exceptionnelle, dernière journée exceptionnelle avec 3 équipes qui ont leur place à jouer, bien entendu. L'agenda de la journée, qu'est-ce qui nous attend? Donc on commence à être avec un Excel Astralis extrêmement important, bien sûr, pour la place de playoff. Hein, ça se jouera entre Excel, Vitality et Fnatic. Le Mad Lions, BDS, Mad qui essaie de gratter le plus de points possible avant la fin du split, bien sûr, qui n'en sont pas allés au playoff au Spring. En cas de victoire, ils valident le top 2 de la ligue. Ouais. Et si après G2 perd, ils sont assurés d'être dans le upper bracket. Donc il y a ce petit côté. Et c'est important pour eux. C'est important pour eux parce que malheureusement, les Mad Lions ne sont pas qualifiés au playoff au Spring. Du coup, ils ont toujours ces points de retard pour réussir à transférer leur bonne performance de Summer dans l'arbre des playoffs. D'ailleurs, le SK face au G2, un match champagne du côté des SK Gaming, mais j'imagine qu'on va essayer de finir en beauté et mettre un petit croche-patte au G2. Ouais, grosse interrogation sur la forme de BDS aujourd'hui. L'interview de Sinkroff a évoqué un regain de motivation des joueurs dans le but de trouver du travail, une équipe, un slot et globalement maintenir une bonne image pour leur carrière future. Donc, match qui peut être dangereux. Ça peut éventuellement. Je pense qu'on a envie de tout donner du côté des SK et des BDS. Le Vitality Rogue, celui-là, Vitality, ils étaient tellement proches des playoffs au début de cette semaine. 2-0, et là, il va falloir gagner contre Rogue. Ouais, il va falloir gagner, après ils ont toujours le petit matelas. Tie-break dans tous les cas. Voilà, c'est ça, matelas de confort, que même s'ils perdent, ils ont un tie-break, peu importe les autres résultats. Mais une victoire les qualifie, donc ça les mettrait très bien, pendant que Rogue, eux, peuvent aller chercher des points supplémentaires, toujours pour le seeding dans les playoffs. Et même histoire du côté des Fnatic, face aux Misfits, une victoire les qualifierait. Ouais. Mais voilà, il faut gagner. Alors, petit état des lieux, des scénarios justement. Vas-y. Pour les 3 équipes qui doivent et qui peuvent encore se qualifier. On commence par les Fnatic justement, qui vont affronter les Misfits. Pour Fnatic, en cas de victoire, Fnatic est qualifié pour les playoffs. Simple, efficace. En cas de défaite, Excel doit perdre contre Astralis pour permettre à Fnatic de se qualifier. Ouais. En d'autres termes, après le premier match, si Excel a gagné, Fnatic doit gagner, sinon ils sont out des playoffs pour la première fois de leur histoire. Exactement, tu as tout dit. 0 pour Vitality, quel est l'état des lieux? Les Vita qui ont une situation peut-être un peu plus favorable. En cas de victoire, Vitality est qualifié pour les playoffs, simple, efficace. En cas de défaite, si Excel perd contre Astralis, Vitality se qualifie pour les playoffs. Et en cas de défaite, et dans le cas où Excel l'emporte, alors Vitality aura un tiebreaker pour se qualifier en playoffs, soit contre Fnatic, soit contre Excel. Même scénario que Fnatic, mais en mieux. Toujours un tie-break. Même scénario que Fnatic, mais en mieux. Plus favorable. Voilà, plus favorable. C'est-à-dire que
les Fnatic n'ont pas cette fameuse ligne de tie-break et donc seront vraiment dos au mur en cas de premier match non favorable. Exactement. Et du côté des Excel, oui, Zéro ? Juste pour les gens qui se posent la question de pourquoi Vita a ça et Fnatic ne l'a pas, c'est parce que Excel est en 2-0 face à Fnatic, oui, alors que Vita est en 1-1 face à tout le reste. Oui, absolument. Et du coup, ballotage favorable au head-to-head. Du côté des Excel, le scénario, donc Excel doit gagner dans tous les cas et espérer une défaite de Vitality ou Fnatic. Donc ils n'ont pas 100% leur destin entre leurs mains, les Excel, mais leur première mission et leur mission absolue est de gagner. Et en cas de three-way tie, Excel est directement qualifié. Ouais, qualifié en parce qu'ils ont ce fameux 2-0 sur Fnatic. C'est ça, c'est ça. Ils peuvent bien remercier cette victoire, enfin ces deux victoires qu'ils ont trouvées un tout petit peu plus tôt. Mais d'abord passer à Astralis, parce qu'il y en a une des deux équipes qui va jouer avec le stress de dire on n'a pas le droit de perdre, oui, et l'autre qui vient pour mettre un magnifique croche-pied et tous les joueurs qui sont prêts à le mettre. Effectivement. Pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance et voilà, pour les Excel, forcément, il va falloir faire un dernier effort pour tenter d'accéder à ces playoffs. Alors, mesdames et messieurs, pas de versus de match aujourd'hui. Voilà, vous connaissez les enjeux, vous connaissez un peu les équipes. On va apprécier le spectacle dans les games et on va plutôt parler des MVP potentiels de ce Summer Split 2022 du LEC, parce que encore une fois, il n'y a pas eu d'équipe qui a nettement dominé la ligue. C'est pas une discussion qui est si évidente que ça, même s'il y en a certains qui semblent avoir les faveurs plutôt du public et des analystes, mais c'est quand même une discussion, je pense, qui vaut le coup. On a sélectionné quelques joueurs, bien sûr il y en a peut-être d'autres qui peuvent rentrer dans la discussion. Je vous encourage, si jamais messieurs vous bien en avez d'autres éventuellement. Second. Absolument. Au niveau des junglers, on a essayé de se pencher sur les cas de Elioya et de Malrang, messieurs. Bien sûr, deux équipes qui ont quand même dominé ce split malgré tout. Alors, avis sur ces deux joueurs, légitime ou pas ? En vrai, pour Malrang, le problème, c'est que les stats ne rendront jamais honneur à son sens du jeu. On est d'accord. C'est ça le truc qu'il a en plus. Il a toujours ce truc d'être au bon endroit, au bon moment, et il a la recherche du flank qui est vraiment, enfin qui est carrément inné en lui et qui est très très intéressante, et ça on ne le verra jamais dans des stats. Et il a tout de même apporté beaucoup de victoires au Rogue via justement des ganks bien trouvés, donc il a ce côté-là. Après, d'aller jusqu'à MVP, je ne sais pas, mais je ne pense pas. C'est quand même le maître à jouer de l'équipe. Elioya en face, on sait aussi ce qu'on comprend dans les interviews, etc. C'est lui qui fait le plus de calls dans les Mad Lions. Bien sûr, non, mais d'excellents joueurs. Et moi, j'ai plus un souci au niveau du poste de jungle, puisque c'est plus du tout le même investissement qu'en début de saison et on n'a pas du tout la même responsabilité. On est aujourd'hui sur un poste qui est véritablement un facilitateur de lane. Et donc, dans cette optique-là, moi, j'irais plutôt chercher mon MVP chez quelqu'un qui récupère les ressources et en fait le meilleur usage. C'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, pas sur la mid lane. Alors, on a des prétendants, bien sûr, au niveau de la mid lane. Niski, dont beaucoup de personnes disent que voilà, c'est vrai que son arrivée a transformé le jeu des Mad Lions, qui est une équipe très portée vers l'early game. Caps, toujours dans la discussion, parce que même s'il ne fait pas le meilleur split de sa carrière, il y a quand même des games exceptionnels, notamment celle d'hier, par exemple, qui est pas mal. Avis. Niski est tout de même très haut dans la liste des MVP parce qu'il fait passer une équipe qui n'était pas en playoff à une équipe qui joue encore ce soir la première place du classement. Donc, et son impact, on l'a vu directement, que ce soit dans le mid-game de l'équipe ou dans la qualité des teamfights, même si Ricker est loin d'être un joueur mauvais et je pense qu'on le voit toujours en LFL. La différence est tout de même colossale et ce serait une très belle récompense pour son retour. On récompense Niski sur la mid lane ? Je suis tout à fait d'avis qu'il fait partie des meilleurs candidats à ce titre-là. Maintenant, c'est sûr qu'il n'a pas les indicateurs les plus élevés, mais ça, on l'attribue complètement à sa générosité dans son jeu, son style, sa champion pool et sa proactivité, bien sûr, dans l'early game. Et de par ce fait, il n'aura jamais des stats aussi shiny qu'un Upset ou qu'un Larsen, par exemple. Ouais, bien sûr. Dans les autres prétendants, alors, on a repris VTO, MVP du Spring. On n'attendait pas les Misfits encore une fois faire un très bon split. Il a eu un début split difficile, Vincent, mais là ça clique quand même très fort depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'on en pense? La performance individuelle est bonne, elle est même très très bonne et on a senti vraiment un renouveau, mais c'est même pas un renouveau, c'est une résurrection avec l'arrivée de Zanzara. Petit cri de Phoenix. C'est mieux parce que c'est ton anniversaire. Merci. Et donc du coup, ouais, une belle résurrection. Il renaît de ses cendres, tel le phénix. Mais du coup, il y a peut-être meilleur candidat
Je pense aujourd'hui à ce poste de mid lane. Forcément, Niski lui fait beaucoup d'ombre, à mon avis. Mais il a une casquette de carry qu'il porte extrêmement bien. Et maintenant, c'est deux profils très différents. Deux profils assez différents, pas la même responsabilité, pas non plus la même possibilité de jeu. Hein. Je pense qu'on n'a pas du tout le même playstyle au niveau des MAD et au niveau des Misfits. Donc ça se discute, mais si on juge seulement la perf individuelle, je pense qu'il y a un vrai débat entre Niski et VTO. Ouais. Et Kaz, bien sûr, dans l'histoire aussi, qui est toujours aussi brillant dans ses très bons jours. Dans les autres MVP potentiels, on a voulu se pencher quand même sur un autre joueur de Rogue. Ce Rogue, quand même, fait une très bonne saison régulière. Comp qui, l'air de rien, fait quand même une sacrée saison. Et lorsqu'il carry, il le fait très fort. Il y a d'autres candidats potentiels. On a des carry, messieurs. On a vu Upset hier qui fait un super match. Mais en même temps, Fnatic ne fait pas un très bon split. Le truc, c'est qu'au rôle d'AD carry, je verrai également Unforgiven qui devrait être dans la discussion. Upset, comme on l'a dit. Flakhead, effectivement. Peut-être. Et le retour de Misfit, c'est également à partir du moment où Néon et on a réussi à monter en puissance, à trouver des très très bons teamfights et des bonnes phases de lane. Donc il y a tout de même pas mal d'AD carry qui sont illustrés dans une méta où on a besoin d'eux. Et forcément, c'est quand les AD carry fonctionnent très très bien dans une équipe que là, aujourd'hui, ils arrivent à être dans le haut du classement. Et un des petits chouchous du public, messieurs, pour terminer, on voulait deux représentants pour les G2. Targamas. Targu, bien sûr. On n'a pas mis d'autres joueurs support. Même si un Kaiser, par exemple, fait un très bon split. Qu'est-ce qu'on en pense de Targamas? C'est compliqué parce que les... Champoule varié pour lui, tout comme pour Kaiser, hein, bien sûr. Il n'y a aucune offense, de très très beaux indicateurs, de très belles stats. C'est pas un souci, mais le poste de support, quid du poste de support, parce qu'on a des profils assez différents. Et... Petit shield? Des petits shields, des petits boosts de move speed. Et, tu vois, par exemple, si je me disais, il faut mettre un MVP support, tu vois, je pencherais du côté peut-être de Jong-un. Mais c'est mon appréciation, c'est mon biais vis-à-vis du poste de support. Les MVP cachés, Jong-un et Xerxe, du côté Astralis. En vrai, oui, Jong-un a créé une grosse, grosse diff chez Astralis avec le Pyke qui bouge partout, Bard qui était partout. Alors, pas Lulu, quoi. En most valuable player, c'est sûr que Jong-un, il avait beaucoup de valeur chez Astralis. Et messieurs, Jong-un qui fait partie des rookies, vous l'avez compris, la discussion pour le MVP est plus ouverte que jamais sur ce split. C'est un split vraiment très très particulier. Alors pour ce qui est de la discussion sur les rookies. On n'a pas beaucoup de joueurs, hein, mais comme d'habitude sur le summer split, Irrelevant, Jong-un, Erdot qui n'a pas fait tout le split, et Aggressivo. À qui irait votre rookie of the split? Jong-un, du coup? Objectivement, t'as Jong-un top 1, Irrelevant top 2 et après les joueurs BDS. Ouais. Mais Irrelevant fait vraiment une assez belle saison. Moi, j'étais sûr. Pour le coup, propulsé depuis la LFL, on a vu beaucoup de profils comme ça qui ont été promus et qui se sont totalement effondrés. C'est pas le cas d'Irrelevant. Et pourtant, c'est pas que des peintres sur son poste. Il y a de vrais prédateurs. Donc voilà, et vraiment grand respect à lui. Mais c'est vrai que Jong-un, il a un peu marqué son poste dans cette saison. On est d'accord. Toi, tu mettrais Jong-un aussi, zéro? Également d'accord, pour globalement les mêmes raisons. Il a créé une très très grosse diff à Astralis et il a fait peut-être l'un des plus beaux plays mécaniques de la saison avec le move avec Pyke au top. Oh, le reset ulti pour taper le E, c'était magnifique. Il est incroyable, celui-là, on est d'accord. On l'a tous encore en tête et si vous ne l'avez pas, allez rapidement chercher la vidéo sur YouTube. Petite discussion également sur la All Pro Team. Quel serait notre 5 idéal en LEC? On va rapidement passer. Alors, sur les ratings, on a sélectionné le top 5 pour les ratings. Si vous voulez mettre un autre joueur, c'est possible. Mais si on commence par la top lane, bien sûr. Mais quel serait votre top laner idéal pour une All Pro Team LEC? Cabocha. plus sérieusement, probable... Le problème, c'est que les ratings de Broken Blade et Alphari sont dus aussi à leur champion pool prédateur et leur avantage qu'ils créent au début de l'année. Tu peux choisir d'autres profils, tu vois, selon ce que tu veux. T'es pas obligé de choisir celui qui a la meilleure note. En vrai, vu qu'on a besoin plus de top lane, facilitateur, tank, si je devais en choisir un à mettre dans mon équipe, ce serait Odo Amné, parmi les 5 que j'ai devant les yeux. Moi, j'irais chercher Broken Blade. Broken Blade? J'irais chercher Broken Blade. Alors, ça se joue... Alphari, Broken Blade, je pense que je les mets à peu près au même level. Hein. C'est deux très belles saisons de leur côté. Peut-être un peu meilleur côté Alphari avec sa maîtrise de GP et de Gnar. La méta lui a pas mal surpris. Mais je prendrais Broken Blade tout simplement parce qu'il peut envisager des champions qui peuvent surprendre ses adversaires. Et donc, quand tu blind pick une Sejuani, tu peux te prendre un Yone et c'est plutôt relou dans une team.
On est d'accord. On est d'accord à ce niveau. Donc, faites-vous votre avis hein, chez vous. C'est vraiment un sujet ouvert à discussion. Dans la jungle, Elioia, Marcou, Niangkos, Razork, Haru, les meilleurs joueurs statistiquement. Tu l'as dit tout à l'heure, zéro Malrang et pas dans stop. Mais encore une fois, en termes de stats, c'est un joueur qui est un peu particulier. Ce serait qui, votre représentant dans la jungle, messieurs? Moi, je prends Elioia et je te dirai pourquoi juste après. Ok, okay, bon. Ça va être l'association avec la mid lane qui va être intéressante. Et en vrai, c'est le spoil. Bah, logique. Mais c'est le duo mid jungle, tu vois. Mais bah si je regarde Niangkos, j'ai envie de prendre Caps avec parce que c'est une association qui fonctionne bien depuis un bon moment. Ok, donc plutôt Niangkos. Alors, du coup, Niangkos Caps du côté de zéro. Toi, tu prendrais qui? Du coup, je prendrais VTO. Non, Niski. Je pense que ce mid-jungle, il y a un truc qui a cliqué et je pense que ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. En fait, c'est la même. Je pense qu'on a à peu près la même logique. Elioia va prendre plus de ressources que Niski et Caps va prendre plus de ressources que Niangkos. Et c'est juste que les deux duos ont réussi à trouver un équilibre pour que chacun réussisse à montrer son potentiel à son bon poste. Ok. Du coup, toi, zéro, tu serais quand même dans l'idée. Ah non, parce que toi, au top, t'avais pris. J'ai pris Odo Amné. T'avais pris Odo Amné, ouais. Toi, t'avais pris Broken Blade au top. Bibi, ouais. Au poste ADC, Upset qui a quand même de super stats, hein, comme d'habitude. Néon, très haut. Patrick, Unforgiven, Comp, votre élu. Moi, j'irais chercher Unforgiven. Moi, je prendrais Unforgiven aussi, ouais. Je pense. Et toi, zéro? Moi, je pense que je prendrais Upset. Hein. Tu prendrais Upset? C'est juste en genre, si tu veux, un gros AD carry de teamfight qui est capable de faire des performances comme hier, je regarde du côté d'Upset. Mm. Moi, je prendrais un joueur qui est capable d'exploser ses carries late game en laning phase. Ouais, voilà, je suis d'accord. C'est la logique. Hein, le Draven, il est chef Forgiven. Hein. Et le support, messieurs, quelle est la touche finale dans votre équipe? Kaiser, Mersa, Targamas, Labrov, Jong-un, un autre éventuellement? J'ai très envie de dire Targamas et je pense que ce serait un assez bon fit avec Unforgiven. Je pense pas qu'il y ait vraiment un monde entre Unforgiven et Flaked sur la faille. Bien sûr, je parle pas des joueurs. Donc, je tenterai Unforgiven Targamas, mais je pense que le safe call, c'est de maintenir le duo avec Kaiser. Et toi, zéro? Je pense que je prendrais Kaiser aussi parce qu'il a montré les supports enchanteurs, mais il était connu avant, notamment pour son Nautilus et ses supports à engage. Donc, mais je me tâte. Ouais, voilà. Pas facile. Encore une fois, c'est une saison très spéciale. Hein, donc, les discussions sont extrêmement ouvertes. Mais toi, tu prendrais qui du coup? Fais-nous ta team. Moi, je pense que je prendrais Bibi. Je pense que je prendrais Yoya. Je pense que je prendrais Caps. Caps. Je pense que je prendrais Unforgiven et Kaiser ou Targu, je pense. Kaiser ou Targu, mais on est dans les mêmes. Mais voilà, à peu près comme ça. Messieurs, dernière discussion de ce pré-show. On approche des Worlds. On se projette un peu. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on a voulu un peu mettre du contexte, bien sûr. Tout est à mettre en fonction du nombre de matchs par région, des adversaires, etc. Mais on a voulu remettre un peu de contexte dans ce qui se fait actuellement un peu partout. On a voulu faire des moyennes, messieurs, de ce qui se fait en termes de KDA, de Goldif à 8, à 15, à 15, et du KDA également à 15, et les solo kills également. Donc en LPL, en LCK, en LEC, bien sûr, il y a plus de matchs en LPL, il y en a quand même beaucoup en LCK, il y en a moins en LEC, et bon, c'est pas toujours les mêmes adversaires, mais c'est assez intéressant de voir où on se positionne en général entre les régions. On voit du côté de la top lane en LCK, en moyenne, on n'est pas si carnivore, il y a quelques carnivores bien sûr, on l'est beaucoup plus du côté de la LPL par exemple, en Europe c'est plus varié. En vrai, la stat folle, c'est qu'en moyenne, les top laners chinois ont 18 solo kills sur la saison. Ouais. Apparemment, ouais. Ouais, c'est énorme. La baston. Au niveau de la mid lane, messieurs, qu'est-ce que ça donne? On voit en LPL des mid laners assez carnivores également, avec des gros KDA à 15. On le sait, c'est une région où on aime se battre en early game. En LEC, on n'est pas si mal positionné que ça dans l'idée. Au niveau de la bot lane également, qu'est-ce que ça donne? Là, on voit du côté de la LCK des bot lanes très, très, très méchantes, Twixou. C'est le champ d'action numéro 1. Après, on a de très très bonnes bot lanes en LPL, mais c'est certainement moins commun, puisque en LCK, j'imagine pas énormément de bot lanes qui sont absolument honteuses et qui elles savent à peu près toutes jouer conservateur. Donc oui, c'est vraiment une spécialité locale. On est d'accord. On a d'autres éléments de discussion, mais on n'aura pas le temps de les utiliser là. Par contre, une autre fois, messieurs, c'est des assets qui ne seront pas perdus. C'est des assets qui ne seront pas perdus. Juste, petit remember des joueurs qui sont le plus allés
aux Worlds depuis l'Europe. Pargamas. Et alors, Reckless. Dans le top, Reckless, Soaz, 6 apparitions depuis l'Europe. Yellowstar, Perks. Encore une fois, pour Perks, on a compté que depuis l'Europe, pas le fait qu'il y soit allé depuis l'Amérique du Nord. Caps, Yonkos, Illisang, XPK, 4 apparitions Worlds depuis l'Europe. Et Odoamné, Humanoid et Ansama, 3 apparitions. Voilà un peu pour un état des lieux. On va avoir beaucoup de joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs au World cette année, normalement. Ouais, et on veut le retrouver, notre Ansama aussi, repouvoir le cast un peu du côté des Worlds. Donc on espère que Timmy pourrait égaliser Reckless et Soaz cette année si ça se passe bien. Ouais, complètement. Sachant qu'en réalité, il est allé au Worlds depuis l'ENA, tu vois, on n'a pas compté ça, mais. Ça compte pas. Ça compte pas. Les NA, on ne les compte pas. Ce sont des paillassons, bien entendu. Mesdames et messieurs, cette discussion sur les Worlds, il y en aura d'autres, bien sûr, puisque ça va être de plus en plus la thématique sur OTP au fur et à mesure que le temps avance vers le mois d'octobre, bien entendu. Vous le savez, les Worlds qui vont se passer en Amérique du Nord. Mais avant tout ça, il nous reste une dernière journée de LEC à vivre en votre compagnie. Introduction, et on se retrouve pour le premier match qui est BD. Excel Astralis, hyper important. Les Excel jouent leur qualification potentiellement pour les playoffs. C'est juste après l'intro sur OTP. A tout de suite. Dernière journée de saison régulière du Summer Split 2022 du LEC commence, mesdames et messieurs, Excel Astralis. Belle rencontre, vous avez bien sûr toutes les clés en votre possession. Ça peut être un véritable banger, tout comme ça peut être une véritable climatisation pour notre soirée, Fingin. Effectivement, est-ce que les Excel vont réussir à nous tenir en haleine? C'est toute la question qu'on se pose actuellement. S'il vous plaît, pitié, monsieur Excel. On est rentré directement dans la draft avec des Excel qui sont en blue side et qui auront le first pick Zeri. Sans le cutter pick, Sivir ou Twitch? Ok, je me casse. Après, ils vont gagner du coup. Oui, mais enfin, j'ai pas envie de subir ça. Non, on va voir, mesdames et messieurs, bien sûr, un petit trait d'humour. Nous avons Sivir de ban, donc déjà, on est en position un petit peu latérale de doute pour les Astralis. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir jouer bot, étant donné qu'on n'a pas un petit peu l'alter ego, l'espèce de dark flash de Zeri avec Sivir. Tu veux dire Senatam Kench peut-être? Ouais, Senatam, ça me semble pas être une super idée, mais tu vois, il y a des Jinx, il y a des trucs comme ça qui sont encore jouables. Hein. Jinx from Arcane existe toujours. On peut normalement l'envisager pour la Cob. En tout cas, on open avec Poppy. Et certainement. Alors, un blind Sylas, des trucs comme ça, on voit souvent. Hein. Sylas toujours disponible. Après, c'est Dajor. Il y a Vex. Vex open. Mais Vex blind comme ça? Oh non, ah. Dajor m'écoute pas. Oh. Ah, ça sera Sylas. Ok, bon. Sylas, ambitieux, pic de Dajor ici. Je suis influenceur. Sachant qu'en plus de ça, on a vu hier du côté de Niski récupérer l'ulti de Zeri pour un Sylas. Ça fait quand même pas mal de dégâts de zone. C'est pas mal, ouais. C'est un ulti bliss rank sous stéroïde. On espère quand même qu'il aura de meilleurs ultis à se mettre sous la dent, hein, dans cette game, parce que c'est pas fameux, évidemment. On va prendre le counter pick Trundle à Poppy. Counter pick, bien sûr, en cas de rencontre et de counter gank. Hein, mais la game est tout à fait vivable pour Xerxé. Ce n'est pas la question. Il y a également un truc auquel on pense pas vraiment, mais le combo pilier et ultra laser. Absolument, faut ça jamais existe, l'oublier. Hein. Jamais l'oublier. On a récupéré, on pense en tout cas à récupérer cette Talia ici, qui est un champion qui marche pas trop mal face à Sylas, sachant que ça lui donne un mauvais ulti en plus de ça. Mais elle a quand même perdu un petit peu de peps. On va privilégier ce Azir dans Sylas. Azir dans Sylas, oui, bah, il va le dominer en laning phase et on espère pour lui qu'il n'y aura pas d'incident plus tard. C'est une véritable draft de scaling. Les Excel, forcément, ils sont un peu dans l'obligation de remporter ce match. Et donc, par conséquent, le meilleur investissement que tu puisses faire sur ce patch, à mon avis, surtout contre une équipe comme Astralis qui n'est pas non plus la référence early game agressive, bah, c'est de jouer une bonne vieille
draft de scaling, what? C'est un Viego top. Poppy top, pardon pour la tchatch, oui pardon. La Poppy Selfie qui sera validée ici, et effectivement donc le Viego dans la jungle pour Xerxes, qui veut peut-être prendre ses responsabilités ici avec un vrai jungler carry, et on sait qu'il en est capable. Poppy top blind avec un mid jungle double mêlée contre Azir Trundle. C'est une idée, je sais pas si c'est la bonne, mais on va voir. Ban Lulu. Ouais, le ban Lulu, effectivement, pour éviter l'accompagnement avec la Ziri qu'on a vu entre Upset et Illicent, qui est assez dévastateur, effectivement. Oh, le ban Bard. Oh, je les ai mis à Starship, c'est incroyable. Oh, incroyable. C'est l'équipe de modération, Bichente, c'est ça? Ah, oh, super. C'est les modos. Oh là là, les frères. Maintenant, vous avez l'obligation de ne pas oublier... Enfin, aucun anniversaire en fait du crew, donc bonne chance à tous. Sachant qu'on est pas les trois quarts, donc. évidemment. Oh. Et la Shyvana qui est ban. Alors. Ok. Très bien. Alors, on n'a pas vu Finn souvent jouer Shyvana, mais peut-être que c'est un counter à Poppy. Ah, c'est un hard counter de Poppy, mais c'est pas le seul. ce n'est pas le seul, malheureusement. Probablement. Mais c'est probablement le meilleur hein, pour la laning phase. Absolument. Et derrière, qu'est-ce qu'on va retirer également des mains de Jonghyun? Peut-être un autre bar, ça sera plutôt le Rakan. Rakan, ok. Et on va, j'imagine, récupérer un carry AD pour Kobe et se laisser le counter fixe pas. Un carry AD qui scale, por favor. Là, il faut de la range. On a 3 mêlées, une poppy top, donc il faut de la longe. Hein. Là, on a littéralement zéro de portée. C'est vrai. Et est-ce que Jinx serait. C'est-à-dire que là, on ne peut pas taper de tourelle, par exemple. Okay. Un Ezreal. Un petit peu de range, un petit peu de poke. Il y a de la range, mais ça permet pas forcément de mieux taper les tours. Et ça permet pas trop de dépush les waves non plus. Effectivement, on a un gros problème de dépush dans la composition Astralis. Si on subit un Baron Nashor, il va coûter très très cher. Et on va récupérer le Sion. Ça joue pour Poppy Sion, mais c'est globalement pas trop tuable. Ouais, ça va serrer peut-être la poigne du côté de la top lane, on imagine. Oh, le early fresh. Alors, un patch trop tôt pour Mickey. Il a l'air d'y croire à ce trash, mais c'est sûr que. Après, ça manque comme un petit tapis de support. On a ban Lulu, on a ban Bard, on a ban Rakan. Renata, c'est ouais, vrai voilà. Qu'il reste Renata est absolument insane. C'est vrai. Même un bro, mais vachement cool là-dedans. Parce qu'à partir du moment où t'as une équipe essentiellement composée de mêlée, Renata, Bard, Renata, Bard, Brom, c'est tout à fait incroyable. On a beaucoup, beaucoup de choses okay. à proposer dans cette draft Excel. Beaucoup de scaling, on en parlait. Et on a une composition qui est très orientée teamfight front to back. Ouais. Sion, Trundle, Azir et Ziri pour bombarder. Et elle on a bien, de hein. quoi temporiser du côté de la Renata. Je suis beaucoup plus curieux autour des synergies de Astralis, par contre. Disons qu'ils peuvent jouer au jeu un peu plus tôt que leurs adversaires. Je pense que c'est l'élément principal qui les différencie. Également un match-up assez négatif pour Renata Glask dans la Karma oui. de Jonghyun. Et on sait que Ezreal Karma, c'est une des botlanes les plus oppressantes qui puisse exister dans la méta actuelle. On a énormément de puissance de push, énormément de portée. On est capable de one-tap à peu près n'importe qui si toute la rotation de spell passe. Et Ezreal, contrairement à ce qu'on pense, est un laner assez offensif. Oui. Puisque c'est, voilà, il a 50% attack speed de plus que ses adversaires avec son passif, donc c'est assez huge. Ah, il faudra être vigilant peut-être du côté de la botlane, des situations de dive à venir, ouais. avec la présence de Xerxes, avec un Sylas qui pourrait faire le décalage après des premiers niveaux compliqués. Je pense, il hein, y a vraiment, vraiment, vraiment gros danger botlane. Et les Astralis ont, je pense, la pression du chrono dans cette game. Mesdames et messieurs, on est parti. Game d'introduction finale, journée finale de la saison régulière du LEC. C'est parti. Et nous voilà lancés dans la Final Invocateur ici, Excel contre Astralis. Et j'ai l'impression que les deux équipes se sont donné rendez-vous du côté de la bot lane, Tixou. Absolument, lorsque tu joues contre Ezreal Karma ou lorsque tu joues Ezreal Karma, tu as besoin du contrôle des side bush. Et c'est pour ça qu'on va se la coller. Oh, ça, justement, oh le Q suspect, le Q sur deux joueurs. Et du coup, on va déjà trouver le first blood ici pour Barkun. Deux flashs qui ont été consommés, celui de Xerxes et celui de Kobe. Et c'est déjà la catastrophe pour les Astralis. Quelle erreur!
Il y a un mec qui fait des bruits bizarres, il fait des you-you. Nous avons, c'est une véritable catastrophe pour les Astralis. On a besoin, comme je le disais, du contrôle de ces Sidebush. Mais pour le coup, c'est vrai que à partir du moment où tu vois l'équipe adverse, si d'un coup tu perds enfin je sais pas, ils ont totalement perdu le contrôle, ils se sont endormis, puisqu'il y a quand même un Sion en face. Ouais. Et un Sion niveau 1, spoiler, c'est très fort. Et on l'a vu ici. Un first blood récupéré pour Markoon sur un trundle en plus de ça et un assist partout. Donc en plus de l'XP bonus, des level 2 qui vont arriver sur les solo laners. Et on va même pouvoir sweeper cette ward, je crois bien, et offrir un très très bon début de lane à Finn. Parce qu'on l'a vu être posé cette ward, non Markoon? Normalement on l'a vu. Markoon qui a pu faire son reset d'ailleurs, donc long sword. On va accélérer un petit peu le clear de trundle qui peut pâtir un petit peu. En il a pas sweepé pour donner là, donc bizarre. Mais j'ai l'impression qu'il sweep même pas du tout pour l'instant. On n'y a peut-être pas fait attention tout simplement. Call ailleurs. Bon, starting topside du côté des deux junglers. Attention tout de même aux potentiels invades parce qu'on va avoir une grosse priorité mid lane du côté de Nuke Duck et Markoon avec, avec cette long sword, avec un matchup plutôt favorable, pourrait aller déranger un Viego en début de partie. Ouais, ce sera un full clear hein, je pense pour Xerxes. On sera très content si on parvient à clear l'Issican. Attention, malgré tout top lane, Poppy a les moyens de mettre la pression à Sion en early game et cette bot lane ne se passe pas du tout comme prévu. Et c'est un gros problème. Oh, attention, regarde Markoon. Ah, ils vont punir le no flash S, bien sûr. Ah, par contre, il va être vu, effectivement. On s'est quand même protégé côté Astralis. Et a raison, Kobe immédiatement qui recule. Mais la situation de la wave n'est clairement pas idéale. Peu importe ce qui se passe là, il est dans un énorme inconfort. Il peut pas vraiment jouer. Il peut pas vraiment faire n'importe quoi avec ses Q-spells. Sinon, il va maintenir ce push. Mais là, c'est en train de bounce. Il faut s'armer de patience. Et bah voilà, par exemple un Q de Karma comme ça, ça peut être assez préjudiciable. Mais bon, la wave est dans un état assez favorable pour le moment. Donc Kobe et Jong-un, le farm vient à eux, les choses s'arrangent. On respecte effectivement, il ne faut pas se précipiter ici. Markoon qui continue de zoner au niveau de la botlane, mais Xerxes qui fait le déplacement pour aller chercher le carapateur ici, accompagné de Dajor. Ouais, il a pas full clear du tout, il a skip ses loups. Donc il devrait pas être niveau 4 là dessus. Ok. On avait un petit peu de retard bien sûr avec ce qui s'est passé au level 1. Donc Xerxes ici, un petit détour sur les loups, on passe niveau 4. Et on voit, sait-on jamais, si Markoon se pointe bot, eh bien on aura un Viego qui pourra faire un double scuttle. Il faut le repérer. Il faut avoir l'information et surtout ne pas faire le pas de trop. Regardez Kobe hein, qui bien évidemment s'avance avec un empoignement du côté de Mickey. Justement le flash in, l'empoignement, et on va tout mettre sur Kobe qui vient d'utiliser son transfert arcanique et le pilar viendra récupérer le kill ici pour Patrick. Et derrière Jong-un qui est forcé de flash. Bien joué Mickey. Mickey qui nous cale un superbe flash in Q. Transfert arcanique, il était obligatoire mais il était un tout petit peu light parce qu'on était déjà tag par la griffe, le grappin de Renata. Je ne sais pas trop comment le décrire. Et en gros, ben, par le côté déplacement, voilà, on peut déplacer l'adversaire. On a réussi à deny complètement ce transfert. Et du coup, forcément, comme je le disais, ça ouvre le double scuttle et ça ouvre également bien petit counter juggling qui peut paraître anodin, mais on récupère malgré tout un Gromp niveau 2 puisqu'il a déjà respawn. Donc c'est pas trop mal au niveau Xerxes, il prend un petit lead ici. Ouais, sachant que Xerxes peut être un des espoirs de carry, on sait un Viego qui est le champion qui a toutes les capacités de faire des miracles dans ce genre de situation. Il y a des bons resets dans cette game, ah, c'est pas foufou. Hein. C'est pas incroyable non plus. Il n'y a pas des âmes... Ouais, Sion est quand même assez cool, Trundle c'est bien parce que t'as un pilier, mais on préfère généralement quelqu'un qui donne un dash sur Viego. Oui. Et c'est donc dans ce sens-là, on a pas beaucoup de clients. Par contre, on a des setups pour aller les chercher ces resets. Avec des bons tampons de la Poppy, le petit burst qui peut être ici et là. On peut shutdown une cible assez rapidement et donner du coup l'opportunité à Xerxes de trouver sa place. Je pense que le plan de jeu ici pour les Astralis, c'est certainement de jouer autour du topside. Hein. Le bot, on risque plus de s'empaler qu'autre chose. Même si c'est tentant, on a un Mickey qui a pas de flash. Donc il est vulnérable quelque part. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va juste attaquer la jungle en réalité. Hein. Est-ce qu'on n'aimerait pas quand même activer un petit peu ce Ezreal qui, on le voit, hein, a pas mal souffert en ce début de partie, même si ce maintien en farm, non, tout de même va, Kobe. De toute façon, il stack sa tire, donc que tu le gank ou pas, la tire va pas stack plus vite. C'est sûr. Et son spike restera toujours le même, donc
Bon, attaquer le jungler, moi je pense que c'est bien. Marcon ici, on a déjà la soumission du côté de Dajon. Malheureusement, on ne connectera pas ses chaînes. Tout de même, on enchaîne la partition impériale qui permet de disengage le move pour Nukeduck. Le flash a tout de même été réclamé sur Marcon. Et Nukeduck qui, malgré tout, forcé de bientôt utiliser sa TP. Dajor qui le boss, mais il n'y aura pas de solo kill ici. Hein. Nukeduck a totalement le contrôle de la situation. En théorie, je veux pas le Jinx. Après, il y a quand même un gros reset d'avance du côté de Dajor qui a un chapitre perdu contre seulement un anneau de Doran. Il doit back TP, hein, je sais pas ce qu'il fait. Bah, je sais pas non plus. Après, il y a une wave qui est un petit peu. Je crois qu'elle était assez favorable à Dajor parce qu'elle arrivait vers lui, elle était assez big et il veut pas se faire freeze. Bah, c'est sûr, mais ce sera d'autant plus facile de crash cette wave avec un chapitre perdu. Donc là, le fait qu'il soit dans une position de, d'ultra vulnérabilité, bah, ça fait simplement que ce dragon est. Il est super facile à jouer en réalité pour les Astralis. Bien vu. Et oui, très bien identifié ici de la part de Xerxé. On a réussi en plus de ça du côté de Kobe et Jungkook à se repositionner pour le défendre un petit peu. Et tranquillement, on avance au niveau de la botlane de Patrick et Mikix. Markun qui est là même pour essayer de protéger le crash de sa botlane. Alright. On a Bichente qui nous ramène des feuilles sur les scénarios. Faut pas lire, c'est secret. Très bien. Mais de toute façon, j'ai rien compris, donc ça nous arrange. Et voilà, retour en lane de Nukeduck. Ça se passe beaucoup mieux, on fait enfin des dégâts. Oh, regarde ça, regarde ça. On appelle une soumission totale. Là, ça va beaucoup mieux. Pour cracher cette wave, c'est pas une wave canon, donc il y a peut-être même une plaque à la clé ici pour le midlaner DXL qui se met dans des petits chaussons. Et le poke fait son effet sur cette bot lane. Ouais, bah, c'est dans ce genre de situation où Renata voit un petit peu ses faiblesses être mises au goût du jour. On se fait poke, on n'a pas forcément de régène et on ne peut pas outpoke une Karma dans ce genre de situation. Non, non, Renata a vraiment beaucoup de difficultés contre ce qui l'outrange et ce qui refuse son engage qui est assez faible, hein, Renata, hein, malgré tout. Donc tout ce qui est H Karma, ça fonctionne à merveille. Ah ouais, ah, ASMR Sion ult. Mais Finn quand même qui fait le dos rond pour l'instant. Belle avance en farm du côté de Vizy Chachi. Et deux Xerxé également. Même si c'est bien entendu Trundle qui a la main. Dajor ici, alors attention, hein, on a tout de même. On jouera pas ça, je pense, du côté des Astralis, parce que je crois que Xerxé a énormément d'argent dans ses poches en fait. Je sais pas combien il a de gold Xerxé, mais il en a beaucoup, à mon avis. Hein. On est quand même à 5 contre 5 ici. Et la priorité mid lane a été un petit peu abandonnée de la part des Astralis, tandis que Nukeduck et Patrick sont toujours en train d'essayer de la contester. On a volé l'ultimate de cette Zeri, justement. Mm-hmm. Et on peut essayer de trouver la faille. Donc on qui n'est que niveau 5, mais Mikix également. Ça sent assez mauvais, hein, je pense, cette action pour les Astralis. À moins qu'on ait vraiment un ulti exceptionnel de Vizy Chachi, je ne pense pas qu'il soit en avantage. On a fait un hard swap du côté des Excel ici avec l'arrivée de Mikix et Patrick pour justement contester un petit peu Vizy Chachi. Ok, bizarre. Personne bot. Allez Chachi. Allez Chachi, tu. Bah c'est parti. Allez, hein. Go, hein. Ah, tu prends tes Air Max et tu vas bot lane. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Et donc du coup, par ce petit jeu, on est en train de concede l'Hérald. Que fait Finn? Ah, Finn rejoint ses coéquipiers. Le Hérald finalement est maintenu. Attention à l'ulti Renata, attention à l'ulti Poppy. Et on va justement engage, wow de la part de Mikix. Attention Dajor qui est un petit peu en difficulté ici. Est-ce qu'on peut peut-être rechercher Mikix? Vizy qui est tout seul dans la backline. Et de l'autre côté, on a tout de même réussi à accomplir son méfait. Du côté des Astralis, c'est Chucky qui a récupéré ce héros de la faille. Et on sort clean de chez clean. Après bon, pas la meilleure nouvelle d'avoir le Hérald sur Chucky, mais bon... On n'a pas le contrôle de tous les éléments. On va pas faire la fine bouche, déjà on l'a récupéré. Oh, bien entendu, je suis bien d'accord avec ça. C'est plutôt exceptionnel. Il y a même le flash ulti hein, qui est parti au niveau de Mikix. Donc on a une Renata qui devient un superbe client, ou une superbe cliente en l'occurrence, pour un futur gank ou une future intervention. Absolument, parce que renflouement ou pas, c'est une cible vivante dans ce genre de situation. Oh que oui. Et on voit la tire sur la tchatch, intéressant. Ah, peut-être pour jouer Finn Bill Winter. Ah bien sûr, c'est pour Finn Bill Winter et bah, c'est parce que la game va durer j'imagine et que ça sera ultimement assez rentable. Mais globalement c'est quand même un objet assez boudé. Hein. Ah, il est pas rare même qu'on voit certains de bonnes raisons, prendre juste l'alarme et la laisser tomber par la suite parce qu'on avait des coups en mana qui... C'est même plus tellement populaire parce que on a le build broken gantelet cœur gelé. Et le cœur gelé procure suffisamment de mana pour la consommation qu'en font ces personnages. Donc voilà un choix un peu atypique. Mais
sur Poppy peut-être qu'il y a d'autres conditions, parce que quand vous jouez Poppy Jungle par exemple, c'est quelque chose qu'on sait pas forcément, mais le fait d'être un jungler vous donne de la régénération de mana quand vous êtes dans la forêt tout simplement. Et lorsque vous tapez des camps et que vous proquez vos trucs, etc. etc. La question que je me pose maintenant, c'est qu'on a ce héros de la faille entre les mains de Vizicici. Est-ce qu'on va réussir à se libérer pour le poser ailleurs que juste sur la Poppy? Est-ce qu'on n'irait pas faire la petite balade dans la mid lane? Je pense que Xerxes va être tout à fait open pour participer à ce push, d'autant plus que c'est un Viego avec un build carry vraiment assumé. Mm-hmm. On a une lame du roi déchu, bien sûr, on joue contre Trundle plus Sion, donc évidemment c'est tout à fait logique. Mais là, il a besoin de plus de ressources que la plupart des Viego. Et en parlant de ressources, j'ai l'impression que les Astralis se projettent déjà vers ce dragon, avec des pinks qui ont été mises en place du côté de Xerxes, mais les Excel qui ne veulent pas se laisser encore une fois enfumer autour de l'objectif neutre. Il y a un gros spike sur Xerxes. Ah, il y a un gros spike aussi sur Markun, tu me diras. Il y a des items mythiques qui sont du côté des Excel. Ouais, complètement, beaucoup plus. Là, on a un Ezreal qui est un peu weak, un Sylas qui est à deux doigts d'Everfrost et donc d'une game qui change complètement. Il y a téléportation de up, on doit pas être très très loin au niveau des ressources, mais suffisamment pour être découragé de jouer cet objectif. Ce n'est pas très grave, les Astralis en ont déjà récupéré un. C'est ça, et on va du coup se laisser juste tranquillement avancer vers l'âme qui va apparaître juste après ce dragon infernal. Et quelle sera-t-elle? Océan. Eh bien, si cette âme océan tombe à gauche, les problèmes. Ok, oui. Complètement les problèmes. Après, c'est pas mauvais à droite non plus, mais Sion avec son scaling HP infini, lorsque tu lui donnes des dragons qui régènent sur les PV max, forcément, ça va bien fonctionner. Ah bah, 3%, hein. C'est PV max ou actuel, je sais même plus. Je crois que c'est que PV... ce soit max ou actuel, de manière, ça marche si tu augmentes ta HP pool, donc il n'y a pas de souci. On a le déplacement de Vizicici qui a fait la grande balade jusqu'à la top lane pour permettre à Kobe et Jongun de récupérer quelques ressources supplémentaires. Mais regardez, on est à la défense du côté des Excel et j'ai l'impression qu'on va juste se faire contester ici. Oh. On est tout de même à 5. Ils vont le bourrer, ce héros de la faille ultimate de Poppy. Ultition de plein fouet, ça ne chargera pas. Le teamfight s'engage, les Astralis qui perd beaucoup de points de vie, l'ulti Renata x2, on ne sait plus ce qui se passe. Le Fight Club, mesdames et messieurs, on a Patrick. Patrick, attaque tonnerre avec le plot. Et personne ne tombe une nouvelle fois. Nouveau face à face entre les deux équipes et aucune effusion de sang. Mais finalement, les Excel qui sortent grand gagnant de ce play parce qu'on n'a pas pu faire charger le héros de la faille ici. Et du coup, les Astralis qui, après tout ce play autour du héros de la faille, ils se sont fait un petit peu chahuter, n'arrivent pas à tirer profit et ils n'arrivent toujours pas à donner plus de gold à Kobe qui avance doucement, bien évidemment, vers son stuff. On a récupéré la Muramana, enfin la Mana Moon qui va se charger en Muramana et on va tranquillement avancer vers l'item mythique. Il fait Sun's River, il fait pas de mythique pour l'instant. Ce serait Essence River, Eclipse ou Prowler Claw. Hein. Enfin, il fait sa popote évidemment, mais Eclipse semble être meilleur vu que pénétration pourcentage contre un Sion full tank, etc. etc. Mais la route est longue. Mais le problème c'est que sur cette route, il y a Zeri en T-Max et elle avance très très vite elle aussi vers son spike 3 items. Donc oui, on sait à quel point il est oppressant ce spike. Patrick qui va tranquillement reprendre ses quartiers à la mid lane. Azir étant envoyé sur le side, c'est l'un des rares mages contrôle qui se débrouille vraiment pas trop mal sur le side et il pourra tranquillement gérer Dajor. Il va juste récupérer les ressources au niveau de la mid lane, Patrick, et gérer un maximum cette priorité. Autant que faire se peut face à Karma, Ezreal, bien sûr. Bien sûr. Et là, on est un petit peu dans... On est un petit peu dans la panade pour les Astralis. Parce qu'on a un problème... C'est qu'on n'arrive pas à avoir... Oh, quoique, peut-être ici. On engage directement sur Markun, perd beaucoup de points de vie, mais il y a du monde pour cover. Oh la vache, les le coup de masse qu'il se prend. Et on enchaîne ici la téléportation qui arrive du côté de Dajor, le flash qui est parti sur normalement Markun qui devrait être condamné tout de même. On a des flashs qui traînent un petit peu partout du côté des Astralis et ça sera réclamé par Dajor. Attention Patrick qui a la réruption électrique et qui enchaîne justement les coups de tonnerre. Et Finn qui est obligé tout de même de s'échapper ici à grands coups d'assaut inarrêtable. L'ultimate de Sion qui sera retiré. Et Patrick qui s'est vu temporiser son ultimate avec un très très bon ulti de la part de Poppy. Ah, c'était pas si mal joué par les Astralis, bien sûr, malgré la mort rapide et douloureuse de Xerxes. Et surprenante d'ailleurs. J'avoue qu'il s'est pris. Il s'est fait rafaler, hein, vraiment. Les coups de Tonfa n'ont vraiment pas déconné. Mais on s'en sort relativement bien.
Et ce héros de la faille n'a pas non plus été mené à bien, donc il y a toujours match. Comme je disais, on a un petit problème côté Astralis, c'est que il faut absolument qu'on trouve des escarmouches plutôt que des teamfights en réalité, parce que j'ai l'impression que leur composition de teamfight est nettement inférieure. Après, ça dépend toujours des clutches qui peuvent s'opérer. Mais ce genre de combat un petit peu sauvage, ça a l'air d'être beaucoup plus confortable pour eux. Bah c'est ça, c'est que vraiment le 5v5 des Excel, c'est une partition facile à réciter. S'ils sont en front to back, honnêtement, je vois pas comment on rentre et on menace la backline en réalité. Donc ça va être une guerre de qui détruit la frontline adverse le premier. Et à ce petit jeu-là, clairement, Azir et Zeri, à mon avis, ont l'avantage. Complètement. Et du coup, est-ce que les Astralis vont réussir à trouver leurs petites opportunités? Le héros de la faille a été récupéré du côté des Excel. Ouh, ça va faire mal ce push. On avait l'avantage en termes de téléportation. Chachi qui a été forcé d'être envoyé au niveau de la bot lane pour un jour récupérer les ressources. Et du coup, on n'a pas pu forcément le contester. Et on voit Xerxes et bot. Alors peut-être que cette action va donner le premier dragon des océans au Astralis, puisqu'on voit Viego botside. Et non, il est en train de monter parce que là, la T2 va sauter. En réalité, c'est un sacré bonus. Et elle sera récupérée d'Ajor, l'éruption électrique. Non, bah non. Dire, mais il est tout seul d'Ajor ici. Teamfight, et il n'a pas derrière. De flash, c'est terminé. Oh là là. Je pense qu'on s'est un petit peu précipité. On essaie de tendre un piège pour Xerxes. Mais Kix, il n'avait pas de flash ici, ça aurait pu être une bonne cible pour Xerxes. Ah, je pense qu'on aurait dû accepter la perte de la T2 hein, pour les Astralis et plutôt jouer. Bah pourquoi pas descendre les points de vue de la T2 bot et juste faire le Drake au moins. Ouais, le Drake était peut-être une solution. Oh, quoique, attention, Xerxes qui arrive, mais qui est vu, hein, l'empoignement qui est bien joué de la part de Xerxes. On a toujours le cœur brisé de ce Viego qui peut peut-être trouver un clutch sur Nuke Duck. C'est la bonne cible Nuke Duck ici, tandis qu'on a un affrontement tout simplement. Oui. En fait, Chachi reste là pour empêcher le Sion de TP, à mon avis, sur le top. Mais ok, ils ont réussi à s'en sortir. Et du coup, le dragon qui est toujours en jeu. Le truc c'est que Xerxes il est très très loin là et j'ai l'impression que Markoon a décidé de poser ses quartiers du côté de la mid lane justement avec un bon chunk trouvé par Patrick et son ultra laser. Ouais, il est finito ce dragon. Là les Excel qui sont pas loin de réaliser le break je pense dans ce match. On sent que les interactions leur sont totalement favorables. Les items avancent très bien également. J'ai du mal à voir où est-ce que Xerxes va trouver ses resets. Là maintenant ça commence à être difficile ouais. On va voir le spike de Kobe qui a son Essence River et est à très peu de stacks de compléter sa Muramana. S'il y a un Ezreal qui peut enfin menacer et faire des dégâts corrects, peut-être alors qu'on aura un second souffle dans ce match. Mais pour l'instant c'est Chachi attention, en difficulté. Il a toujours un flash Chachi, est-ce qu'il va le forcer ici? Voilà. La bonne rotation ici trouvée par les Excel qui part de tout ce move autour du dragon hein. Xerxes qui a été obligé de reset, on a du coup la pression qui se fait dans la jungle bot side et on peut refermer la porte sur un Chachi qui ne peut pas défendre cette tourelle. Ah, totalement, mais après Chachi t'es pas forcé de flash je pense hein. Un petit overreact ici mais sans information c'est toujours le safe play. J'aurais pu juste charge Mickey et out tranquillement. Bon alors faut suivre Kobe maintenant. Faut suivre Kobe, on va avoir la Muramana. Voyons voir un petit peu la taille de ces tirs mystiques. On voit un petit peu l'ulti, c'est correct. Voilà, Muramana activé. Ouais, il faut prendre sa responsabilité ici du côté de Kobe, mais Jong-un qui prend un large chunk proposé par Nuke Duck. Il va devoir prendre beaucoup d'espace Kobe. Hein. Il va falloir qu'il joue un petit peu à la Uzi là. Encore une fois, c'est le seul champion range de son équipe. Le seul et unique. Et il ne livre pas un duel, il livre un 1v2 contre Zeri Azir. Ce qui est un petit peu un énorme hard mode. Après, il n'y a pas de hard CC vraiment non, pour aller chercher sûr. Kobe. C'est sûr. Donc, ah non, il a une game où vraiment il peut être free DPS hein, pour le coup. Hein. Mais encore faut-il qu'il fasse des dégâts. Et absolument. Et je pense qu'il fait le bon build au passage. Parce qu'il y a un côté mana infini sur le build Essence River qui te permet de toujours maximiser les dégâts de la Mura. Oh là là, la Mura mana. Ah, les dégâts sont pas incroyables pour l'instant, on vient de le constater. Ouais, le petit dash in en plus de ça qui le force à flash out avec l'arrivée de Nuke Duck. Et les Exed qui établissent un petit peu leur quartier ici. On a la présence de Finn. Est-ce qu'on peut cancel ce back? On va cancel ce back, mais attention, Chachi qui n'arrive pas à trouver le tampon et qui est un petit peu isolé, qui n'a pas de flash Chachi. Pourtant, Dajor arrive à bien zoner tout le collectif des Excel. Ça fait la différence.
Et on voit que Finn, quand même, n'est pas prêt à encaisser 50 rounds pour l'instant avec son Sion. Il nous fait Sterak 2, je crois, d'ailleurs. Ça doit être Sterak, ouais. Sterak, excellent objet sur Sion, hein, bien sûr. Sky sur les PV bonus. Il n'y a pas de champions dans le jeu qui font autant de PV bonus que Sion. En réalité, il y a Swain, mais... Mais le Sterak sur Swain, bon. Mais Sterak sur Swain, c'est vrai que... c'est pas l'objet du siècle. Évidemment, Sion a... Est-ce qu'il est le plus loin que Shogat, en théorie? Absolument. Parce qu'il n'y a pas de cap. Enfin, le stacking est plus facile à faire, surtout. Alors, petit piège, Nuke Duck, est-ce qu'il s'en doute? Beaucoup de moyens pour un Azir de checker un buisson. Il utilise son Q, c'est maintenant qu'il faut y aller. On est quand même à 2v2 ici, la partie impériale qui permet de zoner la téléportation déjà qui est là pour Finn. Et on va tranquillement peut-être récupérer le kill sur Chachi qui a déjà utilisé son coup de marteau. Finn qui a encore son ultimate, il flash in il Q. Et normalement le kill devrait être récupéré immédiatement sur le top lane de la qui arrive cependant tout de même à s'échapper. Il fait le tour, il fait arrive. Le tour. Et on pourra s'en sortir peut-être pour Jungkook. Non, le grand laser de Patrick ici. Et le kill supplémentaire récupéré par Nuke Duck sur le support des Astra. Sublime Patrick, absolument sublime. Et là le Baron Nashor qui bien entendu sourit au Excel. Il y a toujours le X-Factor Xerxé avec Ulti Up, avec Flash Up et évidemment avec Smite Up d'Ajor qui pourrait également envisager une téléportation. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression no flipperino, on accepte la défaite et on laisse d'Ajor se mettre bien sur le bot side. Mais j'ai l'impression qu'avec ce Baron Nashor, on en parlait déjà tout à l'heure, mais le wave clear, ça va commencer à être d'autant plus compliqué. Alors il a chargé quoi? Le sbire. Bon, c'était simplement pour se mettre en mêlée, admettons. De toute façon c'était un bait, hein, ça se voit. Vu la réactivité de Finn sur la TP et la proximité bien sûr de Markoun sans qu'il se montre pour autant, oui, sur oui, ce oui. qui semble être un free gank, ils étaient parfaitement au courant. Bah en même temps... On avait quelques contrôles de vision du côté des Excel. On savait qu'il manquait deux joueurs, donc au bout d'un moment, on se pose des questions. Carrément. Faut pas oublier que les Excel, ils jouent gros dans ce match. Ils sont en ultra insta, en tout cas. Pour l'instant, bah, on a Powerplay qui est en cours, la T1 mid lane, la T2 qui devrait bientôt subir le même sort. Et avec la rotation qui est en train de proposer Finn, on pourra même enchaîner sur la T2 bot lane. Totalement. Sans plus de cérémonie. Bon, voyons voir la qualité du wave clear du coup. Pas mal Kobe, pas mal du tout. Mais du coup... Bah, les sbires, on peut rien faire. Hein. Est-ce qu'on peut empêcher des gens de taper l'objectif? Ça va, on se débrouille correctement en réalité. Kobe est vraiment sur un power spike plus intimidant que ses adversaires. Cela étant... Non, cela étant, on n'est pas loin de l'IE hein, quand même pour Patrick. En réalité, juste un problème de range pour l'instant. Mais si Azir s'y colle logiquement, Kobe peut pas trop stay. On préfère abandonner l'idée de faire la T2 mid lane pour l'instant. Sachant qu'on l'a bien chunk, on peut tranquillement se positionner autour de ce troisième dragon des Excel. Et se donner une belle option sur l'arme d'ici 5 minutes. Ah, le safe play. Hein. Le safe play. Je pense qu'honnêtement, il récupère cette âme. Je vois mal où est-ce qu'on trouve les dégâts pour tomber quelqu'un. Ouais. Enfin, tomber quelqu'un. Gagner le teamfight sur le long terme. Si tu tombes nez à nez avec Patrick, avec Xerxé d'Ajor, oui, ça passe, hein, forcément, il n'y a pas de souci. Mais c'est le genre de scénario qui ne risque pas d'arriver. Troisième item verrouillé pour Patrick, l'âme d'infini, bien sûr. Toujours pas de bot. Hein, il y va pieds nus, le carry ADD. C'est dire à quel point il se sent menacé dans cette game. C'est vrai. Bon, attention, justement. On va peut-être trouver un catch ici sur Mickey, Xerxé qui a des ambitions. Il fait mal, hein. Il fait quand mal. Même pas mal de dégâts, effectivement. Il y a un flash, il y a un ulti du côté de Xerxé, mais est-ce qu'on veut vraiment se commit aussi loin du côté des Astralis? J'ai l'impression qu'il va falloir s'échapper et Jungkook est laissé à l'abandon il ici. Il a pas de flash. Il a pas de flash, la communication Astralis qui s'en mêle. On s'en mêle, on sait qu'on doit chercher des escarmouches, on sait qu'on doit éviter les teamfights, on sait qu'on doit perf sur ce timing. Autrement, on va subir un énorme Baron Nashor contre lequel on fera pas grand-chose. Mais du coup, on force les plays et tout le monde n'a pas un ulti Viego pour se repositionner. Enfin, surtout pas Karma. Ah ça, c'est sûr et certain. Et Jungkook qui en a payé le prix ici. Encore une fois, on tente de trouver un catch en side du côté de Dajor, du côté de Xerxé. On n'a pas dû se mettre du côté de Xerxé. On est Berka. Et ça, normalement, on devrait être un kill récupéré. On n'a pas d'ultimate de toute façon pour Finn. Ouais,
faut laisser à la bonne personne, faut laisser au Ezreal, je pense. Non, ça met tellement de temps. Et regarde justement Nuke Dogg qui peut peut-être faire le rabatteur avec ses coéquipiers qui arrivent immédiatement sur le côté. Il n'y a pas de T2, il pourrait oser Nuke Dogg, il n'y a pas de stopwatch. Les dégâts qui se prend Kobe ici. Waouh. C'est ça qu'on avait volé un ulti Sion. Bon. On a pris ce catch, on a perdu la T2 au mid. Et on est quand même en train d'avoir une belle avance du côté des XL, 5000 gold d'avance. Ouais, et 3 items sur les carries, sans que ce soit des Ezreal build. Non, non, tout leur souris, tout leur souris. Oh, il fallait bien que l'Astralis trouve un catch hein, à un moment donné, hein, depuis le temps qu'il le cherchait. La Fine qui cette fois-ci n'avait pas de flash, pas d'ulti, semblait condamné. Mais bon, encore une fois, c'est un catch, mais à quel prix? Bah, en termes de ressources globales, c'est sûr que les XL tirent toujours leur épingle du jeu. Maintenant, plus on avance, je pense, sur tous ces skirmishers, plus on va avoir... plus on va avoir d'opportunités de réaliser des plays en vrai, parce que là, certes, on a des grosses grosses stats sur le Azir. Regardez le Azir par exemple de Nuke Duck, voilà, il a des baguettes, il a le Morello, il va faire Rabadon et tout, c'est très joli. Mais tu peux te faire clutch par un Stylas qui stop Watch Pixel Perfect ta partition. Il y a un côté, on maximise les stats et de l'autre, on maximise les scénarios d'outplay, on va dire, avec des melee bruisers. En sachant qu'il faut toujours pas négliger la place de Kobe ici, hein, qui on le voit. Clairement au contact de Patrick en termes de ressources. On est bien d'accord. Après je pense que si on passe la 30e minute dans ces conditions, bien sûr. Là on va commencer à sentir la draft diff. Même si on commence déjà bien sûr à la considérer. Ah pour les raisons qu'on a déjà évoquées bien sûr. Mais ils temporisent bien les Astralis honnêtement, hein, le côté leur gestion de side. Le fait qu'ils aient toujours au moins un side qui push lorsqu'ils sont en position défensive comme celui-ci. Leur fait gagner pas mal de temps et toujours bien sûr assure un income sur tous les joueurs. La question se pose peut-être autour de ce quatrième dragon hein, qui arrive d'ici une petite minute. Il va falloir faire une sortie, il va falloir tenter du côté des Astralis par la bot lane bien sûr, mais une bot lane qui est pour l'instant 100% sous le contrôle de l'équipe anglaise. Tout à fait, mais je crois qu'on a vu Renata Glask top, donc on sait qu'on peut aller ward Eldrake là. Alors le problème c'est qu'il y a Baron et Drake en même temps. Enfin en même temps, à 40 secondes d'écart, mais c'est à peu près la même chose hein, sur la tempo League of Legends. Donc là il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on cover? Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on deny? Au cas où ça conteste cross-map, qu'est-ce qu'on fait? Xerxe, il est tout seul sur la top lane, ça ping des wards, peut-être pour une téléportation autour du Baron Nashor, mais est-ce vraiment la solution? D'abandonner complètement le contrôle de l'âme. Je pense qu'il faut provoquer une certaine forme de confusion pour les Astralis si on veut avoir une chance. Mais si on est en 5v5 River, honnêtement, j'ai pas trop d'espoir. Et ça va peut-être commencer ici, Vicky qui se fait catch. Mais qui se fait réellement catcher plutôt Jong-un. On va se trade kill entre les supports, je crois bien. Et non, Vicky qui peut remercier sa bonne étoile, Kobe qui est tombé. Et je pense qu'on peut envisager un push quasiment final pour les XL, quoique... La Vigi Poppy, la Poppy Chachi. Eh mais est-ce que ça sera suffisant? Chachi qui essaye tant bien que mal de défendre l'arrivée de ce Sion qui est un monstre dans cette faille de l'invocateur. Est-ce que Dajor peut prendre ses responsabilités? Ça semble très compliqué pour le carry AD, le carry mid pardon, des Astralis. Mais là-dessus, deux morts, la bot lane des Astralis qui est décédé et un dragon qui pourrait tendre les bras. Chachi qui veut en découdre, mais partition impériale qui est utilisée. Dajor qui prend énormément de damage. Et qui a voulu clutch? Il a voulu clutch avec son régicide parce qu'il était très très low HP et il tombait peut-être sous les coups du tourment de Liandry. Finn qui est là, complètement isolé, qui temporise avec sa stopwatch mais qui est condamné et tombera sous les coups de Chachi. Faut un peu n'importe quoi aller XL ici, hein. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui s'était déjà présenté au Drake. Mais personne n'a fait ce Drake pendant cette confusion, du coup les Astralis ont peut-être un coup à jouer ici. Mais on va avoir back TP de Nuke Duck et Nuke Duck a probablement un item supplémentaire. Ok oui, là, le Rabadon qui pourrait être extrêmement extrêmement clutch. Il va faire malin. Et il est validé ce Rabadon. Il a Rabadon. 4 items pour le midlaner des XL. Oh Chachi ouais. Ambitieux Chachi, ambitieux. On a quand même l'arrivée de Kobe et Jonglung qui sont là de retour. Et le Po qui pourrait peut-être faire son affaire. Xerxe n'a pas d'ulti cependant, il a un flash peut-être pour tenter un smite steal. Très bon pilar pour zoner. Patrick qui va bientôt récupérer son ulti et ça va faire toute la différence. L'arrivée Chachi. De Dajor également. Chachi qui zone, qui zone. Le DPS de Kobe qui est bon, mais Patrick qui arrive justement et enchaîne les coups de laser. Très bonne ultimate de la part de Mickey. Kobe
kill récupéré par Patrick, exercé dans la backline, mais ça sera insuffisant. Triple kill avant de finalement tomber sous les coups de Dajor. Shutdown trouvé, mais NukeDog viendra clear ce teamfight. Et on peut très probablement terminer le match. En tout cas, les XL qui se dirigent vers le Nexus adverse. Petite ultimate de Sion mid lane. On amène la wave et on termine la rencontre. Les XL qui peuvent quitter ce match le cœur léger. Ils ont fait. Ils ont maximisé leur chance d'accéder aux playoffs. Maintenant, bien sûr, c'est le reste de la journée qui décidera. Mais en tout cas, eux, ils ont fait leur part. Et effectivement, ça décidera de leur destin. Mais les XL qui arrivent donc à 9 victoires et 9 défaites dans ce LEC face à des Astralis qui n'ont pas démérité sur certains points, mais on a senti quand même un petit problème sur cette draft qui manquait clairement cruellement de range. Ah, je pense que c'est beaucoup plus facile de jouer front to back dans le modèle des XL. On a pris un. Voilà, on a fait un pari différent pour les Astralis, plus risqué, qui te met plus de pression, la pression du résultat de lane, d'escarmouche. Vraiment, les 20 premières minutes doivent être bien menées pour pouvoir entamer le mid-late game dans les meilleures conditions face, face à Azir Ezeri, qui est à peu de choses près, et Azir Sivir en réalité. Oui, oui, oui. 100%. Donc clairement, on voit ici la problématique d'assez bonne performance individuelle pour les XL, mais loin, très très loin d'être clean malgré tout. Ah, on sent quelques fébrilités, mais ils ont fait le job. Ils l'ont fait hier, ils l'ont fait aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils souhaitaient. Ils renouent avec la victoire, surtout. Mais pas une dingue. Et moi, j'ai un petit peu le sentiment que les XL ont besoin de beaucoup plus de validation, de fait de jeu que nécessaire pour passer à l'offensive. Notamment attendre que Azir récupère 19 items et un élixir de sagesse avant d'enfin voir des soldats qui piquent ou des positionnements un petit peu plus entreprenants. Ça, c'est un petit peu... C'est long. Et contre une équipe comme Astralis qui, du coup, n'est pas playoffable, ça ne rassure pas forcément, parce que contre un Mad Lions, contre un Rogue, contre probablement un Vita, probablement un Fnatic, eh bien, à mon avis, on aura des individualités qui ne vont pas laisser le temps d'atteindre ces power spikes très confortables. Bien sûr. On peut quand même s'attendre à des XL qui avaient peut-être un petit peu peur, la pression du match. C'est sûr. C'est donc sûr. Forcément, bien on sûr. A voulu peut-être ralentir le tempo, mais on va avoir l'occasion de débrief un petit peu la suite, enfin, cette game sur le Sonanis Death, bien sûr. Il n'y aura pas d'interview. On se retrouve d'ici une petite pause. On vous dit à tout de suite.